Bonjour monsieur. Bonjour. Veuillez vous présenter. Je suis monsieur Kaba Bouakar, membre de la suite de communication du SLEC. Voilà, et la grève des enseignants se poursuit. Elle se poursuit. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Où est-ce qu'on en est concrètement? Voilà, les portes des négociations sont ouvertes. Pas plus que ce matin, nous étions en entretien avec la FESABA sur ordre du secrétaire général Aboubakar Souma. Nous sommes venus, on a discuté sur certains points. La FESABA doit rendre compte à l'USTG qu'on nous adresse officiellement une lettre d'invitation pour tabler sur les points de revendication. Ouais. Pour le moment, la grève elle n'est pas levée. Hein? La grève n'est pas levée, elle continue jusqu'à satisfaction de nos besoins. Ok. Est-ce qu'il y a eu un pas du ministère de l'Éducation nationale vers vous pour tenter de négocier? Bon, s'il y en a eu, moi je ne suis pas au courant pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, non. Alors, des nouvelles du camarade Aboubakar Souma, il est là, je pense. Hein? Le camarade Aboubakar Souma est là, il se porte bien, il est à lieu sûr pour des raisons de sécurité. Et qu'est-ce qu'il vous a donné comme mission puisque vous parlez et agissez en son nom? Bon, nous agissons au nom d'un mouvement syndical, le SLEG. Il est le secrétaire général adjoint et c'est lui qui dirige le mouvement. Ouais. Mais il dirige un mouvement syndical et toutes les démarches s'inscrivent dans la logique syndicale. Voilà. Donc à quoi peut-on s'attendre? Est-ce que s'il y a une main qui est tendue vers vous, vous allez la prendre, hein? Quelle que soit la main, nous allons la prendre parce que on n'ouvre pas une grève, on ne lance pas, on ne déclenche pas une grève et qu'on ferme les portes de la négociation. Quand on déclenche une grève, il faut s'attendre à des pistes de négociation. Nous sommes ouverts au dialogue, nous sommes ouverts à toute négociation, quelle que soit l'institution. Et dites-nous aujourd'hui, par rapport à dans la ville de Conakry, on voit que tout est bloqué. Et qu'est-ce que vous réclamez véritablement? D'abord, j'ai un appel solennel à lancer de la part des manifestants. C'est dommage et regrettable de voir des gens pratiquer des actes de vandalisme. Ce n'est pas notre souhait. Dans les rues de Conakry, oui. Une grève est pacifique. Nous avons dit aux enseignants de rester à la maison jusqu'à ce qu'il y ait satisfaction de nos revendications. Mais ce qui se passe à Conakry aujourd'hui est vraiment déplorable, très déplorable. Il y a eu des cas de mort, il y a eu des actes de vandalisme, de destruction des biens publics. Ce n'est pas ce qu'on appelle grève. Le Guinéen doit maintenant être civilisé. Nous devons observer les principes de la démocratie. Quand on parle de grève, on reste chez soi. Il ne s'agit pas de s'en prendre aux biens publics ou aux biens d'autrui. Ça n'a pas de sens. Okay, moi, je pense que les Guinéens doivent comprendre ça. Voilà, ces biens-là sont sacrés. Et c'est quoi, vous demandez quoi concrètement? Il y a une plateforme revendicative qui est déjà au niveau de tous les départements concernés. Nous n'avons que trois points. Le premier point, c'est la levée des suspensions contre les camarades Aboubakar Souma et Kadia Touba, arbitrairement mutés. Le second point, c'est le maintien de la valeur monétaire du point d'indice à 1030 qui était déjà un acquis, qui nous demandons son paiement obligatoire à la fin du mois de décembre. Le troisième point, nous demandons un salaire minimum de 8 millions de francs guinéens conformément à l'article 100 du statut particulier de l'éducation. Ce sont ces trois points. Mais est-ce que le statut particulier de l'éducation il a été voté? Est-ce qu'il a été mis en place? Oui, ça a été mis. Depuis 2006, ça a été signé par le général Lansana Conte. Depuis 2006, ça a été signé. Mais est-ce que 8 millions de francs guinéens comme salaire, vous ne pensez pas que... Vous pensez que le gouvernement est capable de faire ça, de vous payer à 8 millions? Le gouvernement est capable de le faire. Il y a des magistrats qui sont payés à 12 millions, d'autres, etc. Je ne rentre pas dans ces détails. Et nous n'inventons rien. Nous agissons conformément au statut particulier de l'éducation, précisément en son article 100, qui stipule que les salaires des fonctionnaires, précisément des anciens, doivent être améliorés en fonction du coût de la vie, en fonction du panier de la ménagère et en fonction de la sûreté de la vie. C'est que l'article 100 nous dit et nous agissons en fonction de ça. Depuis que ce statut particulier a été signé, jusque maintenant, n'a pas été appliqué. Donc nous nous battons dans ce cadre. Bon, il y a trois points de revendication. Est-ce que quand même vous êtes prêt à faire des concessions, à laisser, parce que dans la négociation, on avance, on recule. Et voilà, jusqu'où êtes-vous prêt à reculer pour que les cours reprennent? Bien naturellement. Ce que nous demandons, nous savons que nous ne pouvons pas obtenir tout ça, mais le gouvernement doit faire des concessions, les syndicalistes aussi. C'est ce qu'on appelle négociation. Ouais. Déjà, dans une négociation, dès qu'on atteint les 50%, techniquement, on peut lever la grève. Ouais. Mais si on n'obtient rien, cela veut dire que le gouvernement n'a pas cette bonne foi de négocier avec nous. C'est ça le problème. Non, mais la grève, elle se poursuit. Hein? La grève continue, mais dans un élan pacifique. Okay. J'insiste là-dessus, dans un élan pacifique. Ouais. Pas de vandalisme, pas de destruction des biens publics. Parce que ces biens-là nous appartiennent. Ce sont nos patrimoines. Si
on se met à les dégrader, à les détruire, c'est aussi une autre charge pour l'État. Ce que les Guinéens doivent comprendre, on va en grève pour l'amélioration des conditions de vie, pas pour créer d'autres problèmes. Voilà. Okay. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Merci.